Et c'est parti pour un grand tour. Sur 9 mois pour 7 mois d'indemnisation. On a gagné un mois. Donc, je m'appelle Yves Janot, je suis responsable avec Dominique Germain de ce marché Sunnyside of the Dock qui réunit vraiment les producteurs, les acheteurs des chaînes internationales. Et puis en plus, en ce moment, il y a une projection du film Charlie, sur le documentaire sur Charlie Chaplin, avec le fils de Charlot qui est là. Il y a 400 Marseillais qui sont venus voir ce film gratuitement, etc. Voilà, c'est pour vous situer ce qui se passe de l'autre côté. Tout le monde m'a dit, dis-leur qu'on est solidaires. Ben oui, je vais bien sûr qu'on est solidaires. Moi aussi, je suis solidaire. Bon, maintenant, c'est des mots, ça. C'est des mots. Une chose, c'est d'appeler le MEDEF pour leur dire que vous êtes solidaires. Oui. Moi, je veux bien appeler le MEDEF, ils n'ont rien à cirer de moi. Enfin, ouais. Parce que moi, je suis rien pour le MEDEF. Je vous parle du point de vue qui est le nôtre, là, ici, de l'autre côté, des gens qui se bagarrent depuis 14 ans pour que, justement, les productions de documentaires aient plus de moyens, pour que les techniciens y soient réellement payés et correctement. Bon, moi, j'ai été
dans les négociations avec les syndicats, etc., pour faire que la convention collective, elle existe aussi dans l'audiovisuel, vous le savez ça. Eh bien, il faut encore se bagarrer parce que cette convention, les 35 heures, tout ça, fait que les productions, elles coûtent plus cher aux producteurs et c'est pour ça que ça existe en face. C'est pour ça qu'on est là. Est-ce que vous pouvez garantir à tous ceux qui sont à l'intérieur et qui se déclareraient grévistes qu'ils seraient tous repris sur le festival les prochaines fois? Mais il y a... Ne mélangeons pas. Il est évident que les gens qui travaillent là, s'ils veulent être grévistes, ils peuvent faire grève. J'ai aucun problème avec ça. Je suis prêt à signer un papier si tu veux, premièrement. Deuxièmement, ce n'est pas le problème. Ce n'est vraiment pas le problème. Je vous dis, je vous le redis, il y a des gens là-bas qui sont prêts à venir discuter avec vous. Pourquoi je ne suis pas en grève? Parce que à l'heure actuelle, je ne suis pas intermittent à l'heure actuelle. Pourquoi vous ne nous invitez pas à l'intérieur? Parce que je ne peux pas. On va aller tous tranquillement et ensemble se retrouver devant la criée pour finir les informations de la soirée, de manière à ce que nos deux camarades soient libérés par la police et pas déférés au parquet tout de suite. Les négociations ont repris il y a un quart d'heure, donc ils ont enfin fini de manger. Simplement, bien évidemment, depuis un quart d'heure, il n'y a pas encore de nouvelles informations. Donc il va falloir qu'on les attende encore un moment. Comme nous y étions engagés, nous avons reçu ce jour à l'intérieur du marché international du documentaire une délégation de grévistes qui a pu s'exprimer publiquement et a été fortement applaudie. Cette délégation ensuite peut rencontrer les représentants de deux syndicats de producteurs audiovisuels, USPA et SPI. Le Sunny Side of the Dot souhaite vivement que les revendications des intermittents soient prises en compte dans les négociations en cours. Un collègue de Générique Vapeur m'a téléphoné tout à l'heure pour m'annoncer qu'il s'était mis en grève. Ils avaient un gros spectacle à Aubagne. Donc ils ont annulé, c'était une grosse perte pour eux. Là, ils ont fait ça la mort dans l'âme, voilà. Ils ont annulé, ils sont en train de remballer. Le festival des Vieilles Charrues, la première soirée est annulée. Il y avait ce soir un concert de salsa prévu dans le 13e et 14e. Il est en grève. Les CRS ont chargé dans la foule, ont balancé des grenades lacrymogènes dans la foule. Il y avait des mères de famille avec leurs poussettes, elles ont pris les lacrymos. Il y a une voiture avec tous ses occupants qui a été coincée au milieu des lacrymos. Des gens qui n'avaient rien à voir avec les gens qui tentaient d'interdire le festival. Ça fait un mois que je ne cherche plus d'emploi. Je ne sais pas ce qui va arriver à la rentrée. Des camarades ici qui sont en grève, qui perdent des jours de salaire. Il faut y aller. Moi j'ai perdu 3 contrats, lui il a tel, on est plein. Et je tiens à le préciser, pour moi, le lieu de débat est essentiel et la lutte ne peut pas se construire que autour de l'action. Est-ce qu'on doit essayer aussi de faire des images et de les faire diffuser par les télévisions éventuellement locales, genre M6 Marseille ou France 3, etc., pour faire passer une quelconque propagande? Jeudi, quand on a été chargé par les CRS, un ami a fait des images. Qu'il a rencontré tout de suite après un gars qui travaille pour M6 qui lui a demandé de prendre sa cassette et qui ferait tout pour essayer de le faire diffuser à M6 donc hier. Tout le monde a refusé à M6, ils ont branché France 3 qui a refusé également. Donc on lui a rendu sa cassette avec les images des CRS hier soir. Thank you.
tu t'en vas. Chantal m'a regardé d'une façon que je me demande si elle n'a pas quelque chose à vous dire, alors je t'accompagne. Je sais pas si tu as entendu le petit discours qu'on a eu en tant que travailleur du spectacle tout à l'heure sur ta scène. Je pense que tu étais dans les loges en train de te concentrer sur ton spectacle. Et je pourrais te demander ce soir comment toi, en tant qu'intermittent, tu soutiens le mouvement des intermittents, par exemple. Intermittence, c'est un mot qui nous ont collé dessus pour nous réduire dans un espace qui n'est pas celui des artistes. Les artistes devraient être soutenus par la population à donf. Pourquoi ? Parce qu'ils sont les représentants légaux de l'amour des gens et qu'ils cherchent des pensées, des phrases qui les réconfortent et qui leur donnent envie de se battre. Les mouvements, je les entends, je les regarde, j'y participe, je les soutiens. Mais je pense que la façon toujours pas joyeuse dont la révolte est dite, ça décourage beaucoup de gens d'avoir envie d'y participer. Quelle que soit la cause et la justesse de la cause, il faut que ça commence à chanter la cause. Moi, je suis désolée, j'ai pas le verbe, j'ai pas la poésie que Jacqueline a, donc j'ai pas les foules avec moi. Mais je dis ma colère aussi, avec ce que je peux. Pour arriver à parler comme je parle maintenant, ça m'a pris plein d'années, sans intermittence, jamais. Chaque jour qui passait, je l'ai consacré à créer de la musique, à aller vers les gens, essayer de leur redonner du courage et les faire rire aussi. Je te dis simplement, je suis d'accord avec toi et qu'il faut que la révolte soit joyeuse, tu comprends ? Joyeuse, pour que les gens aient envie d'affaire. La seule chose que je voulais dire, c'est que j'étais d'accord avec ce que vous aviez dit, c'est tout. Quoi. Et en plus de ça, je le dis d'autant plus volontiers que je ne suis pas du spectacle et je ne suis pas du tout intermittent du spectacle. Et bien, à un moment, on n'en a plus rien. Je veux dire, quand est-ce qu'on va estimer cette enfin, je veux dire, une certaine révolte, quand on se rend en prison comme José Bové. Moi, je ne suis pas d'accord. Voilà. Téléphone des formateurs des Beaumettes qui sont en lutte parce qu'ils vont disparaître à partir du 30 juin. C'est des formations qui concernent 880 détenus par an. Il y a 15 formateurs qui vont être virés, qui sont virés là, à partir du 30 juin. Donc ils sont en lutte. Il faut vraiment radicaliser le mouvement. L'humanitaire, c'est bien, c'est bon d'avoir bon cœur, mais là. Voilà, parce qu'on continue à avoir bon cœur, aujourd'hui en tournée, parce que c'est un concert gratuit pour l'Amérique 13-14, c'est des quartiers défavorisés. Bon, il y a un moment, là on aurait dû le faire, bon, il y a un moment, on peut plus, quoi. On peut plus. Voilà. On peut plus. J'ai reçu un communiqué de la Fédération d'Associations syndicales des professionnels du spectacle d'Espagne, dans lequel je suis aussi syndiqué, et qui se solidarise avec la cause française. Voilà. Il y a des commissions qui sont déjà créées, il y en a 4. Il peut y en avoir plus, tout nous appartient. Ce qu'on fera, ça nous appartiendra. Mais par contre, si on fait rien, ça ne nous appartiendra pas, ça c'est sûr. Il n'y a plus de festival. Tous les gens qui viennent dans ces festivals, qui vont à l'hôtel, qui vont au resto, qui vont boire des coups, etc. Faire prendre conscience à tous les commerçants qui disent on en a marre de vos grèves, faites chier avec vos grèves. Leur dire s'il n'y a plus ça, vous aurez plus de gens dans vos hôtels, dans vos restos, etc. Pareil pour les ciné. L'équipe elle-même ne décide pas de se mettre en grève. Tu peux difficilement bloquer un tournage. Après, juridiquement, je pense que t'as aucun droit, t'as rien. Et puis quand, juridiquement, on peut arrêter un tournage un certain temps, peut-être pas très très longtemps, mais à chaque fois, tu vois, le fait de l'arrêter, de poser le truc, est-ce que vous feriez pas grève ? Je sais pas, pour moi, c'est déjà une base d'action. Si c'est une équipe d'un autre tournage qui vient arrêter ce tournage-là,
les productions sont assurées pour ça. Alors que si c'est l'équipe du tournage elle-même qui se met en grève, là les productions ne sont pas assurées pour ça. Donc si, c'est quand même une manière de détourner le truc et puis de faire porter le chapeau aux assurances qui, à mon avis, ne posera pas de problème de conscience à tous. Alors la direction, la couronne, c'est ça? Ouais. La couronne pour une pub Kellogg's. On va... Allez go, c'est parti. Nous aussi, on est en train de travailler. Vous êtes intermittent? Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Rien? Bah, bonne chance. Moi, je pense que c'est pas du tout sûr qu'il y en a encore. C'est que les gens vont aller tourner ailleurs. Moi, je crois qu'il y a, voilà. Et ça n'a aucun intérêt. Non, mais ce décor-là, on le trouvait à 300 km en Espagne, à 200 en Italie. C'est déjà une manière de bien cerner les problèmes et de mettre en place des actions cohérentes et pertinentes, ta parole. Oui, mais alors, proposez-nous si des idées cohérentes et pertinentes. L'idée cohérente, c'est que vous débarrassiez rapidement le plancher, d'accord, qu'on puisse discuter tranquillement sur des problèmes, mais ensemble, parce que tout le monde a les mêmes idées, là, partage les mêmes convictions. Quoi, par exemple, des démarches au ministère, des délégations, des choses comme ça. Ça, il y en a sans arrêt. Ben c'est ce qu'il faut continuer. Ça suffit pas. Là, le mec, il veut remballer, il veut se casser. Donc, je veux dire, à quoi ça sert? Nous, tu vois, on est là pour une journée de pub et on perd le job, on perd tout. C'est pas des solutions, on peut pas vous les donner, nous, les solutions. Mais qui peut les donner? Ben, des responsables, il y a une hiérarchie. C'est quand même pas moi qui suis allé à la négociation avant-hier toute la nuit. C'est pas moi. C'est pas nous, je veux dire. Notre profession comprend tellement de populations différentes, de cirques audiovisuels, de musiciens, de mecs qui travaillent dans la rue. Ce que je veux dire, pas non, mais là, rassemblement là, vous ennuyez, par ce que j'appelle la production. Pas au niveau, j'allais dire, production cinématographique. Les gens qui fabriquent, nous on fabrique, on est des ouvriers. Eh ben, les ouvriers. Ce que je veux te dire, ce qu'il faut aller voir, c'est les gens qui sont responsables, qui décident. Il y a eu des négociations. Va péter le MEDEF à la limite, pourquoi pas? Moi j'ai choisi ce système parce qu'il m'a rangé. On est en train de scier la branche, il faut s'attaquer en haut. Mais pas à nous. Nous on est des ouvriers. On est des ouvriers. On est des fabricants. On est le mec avec la lime. Si on nous empêche de limer, on crève. C'est pas à nous, on n'est pas l'État, pourquoi vous êtes chiés? Il y a des gens qui ont perdu du boulot là. Il y a plein de gens là qui sont d'accord, il y a des gens qui nous ont demandé de venir. Et tout le monde le sait, bah oui. Voilà, mais c'est dans ce sens là qu'il faut aller. Même si on s'y met, tous les intermittents de la région se mettent en grève, ça va changer quoi? Ça va changer quoi? Les mecs qui vont nous regarder faire grève, on va dire on tourne demain. En tout cas, il faut essayer quoi. Oui, il faut essayer, je suis d'accord avec toi. Monsieur, je balaye la porte. Même si ça sert à rien. Bon, moi je te file un contact chez France 3, tu peux faire passer la cassette. D'accord. Voilà, et chez France 2 aussi. Ok. D'accord. Merci. Et moi je suis intermittent aussi, je me sens concerné, mais pas par ce genre de manif. Va-t-on vers un été sans festival? Aujourd'hui, c'est Marseille qui jette l'éponge. La CGT du spectacle annonce une grève générale reconductible à partir du 8 juillet. Vous êtes très attendu ce soir, monsieur le ministre. Je pense souvent aux intermittents qui font la grève et qui se verront privés de leurs heures, de la comptabilisation de leurs heures de travail. Il y a effectivement des réformes à faire, et ça, là-dessus, on est d'accord, il n'y a pas de problème. Mais là, vous vous attaquez aux plus faibles et aux plus défavorisés de ce métier. Aux gens qui déjà survivent avec 5 000 francs, 6 000 francs par mois, je les connais, ces gens-là. C'est mes amis, c'est les gens avec qui je travaille, des techniciens, des acteurs, et qui font ce métier par passion, ils ne se plaignent pas, mais si vous leur enlevez ça, ils ne vivent plus. Et j'ai vraiment le sentiment qu'aujourd'hui, nous avons sauvé l'intermittence.
les accords qui ont été signés la semaine dernière comportent de nombreuses avancées. Mais quelles avancées? Les gens devront faire plus d'heures en moins de temps et seront payés moins cher, auront moins d'argent pour survivre. Donc j'avoue que j'ai du mal à comprendre de quelles avancées vous parlez. Écoutez, un exemple d'avancée. Jusqu'à présent, par exemple, il y avait un délai de carence de 45 jours avant que commence l'indemnisation. Ce délai est réduit à 30 jours. Oui, ça va favoriser les plus riches. Mais c'est une avancée, c'est une réelle avancée. Ben, c'est de 45 jours à 30 jours, c'est une avancée. Et pour le quidam, le citoyen lambda, justement, qui regarde la télé et qui gobe tout ça, c'est sûr, c'est trop. Je comprends pas quoi. Et le problème c'est que vous, intermittent, vous n'avez pas le droit de réponse. Je suis monteur de films pour la télé et le cinéma depuis 5 ans. Je suis habilleuse. Je suis réalisateur. Je suis venu ici présenter un film. Je suis musicien. Je fais des images, j'en fais faire. Je fais du montage. Moi, je suis régisseur de tournée, c'est-à-dire que je m'occupe de la préparation des tournées d'une compagnie de théâtre. Je suis producteur audiovisuel. Moi, je suis comédienne au départ, dans une compagnie, enfin surtout au niveau théâtre. J'ai fait des études en réalisation, donc je suis censée être réalisatrice. Pour le moment, je fais la programmation d'un festival à Paris qui s'appelle Songe d'une nuit d'Évée. Je ne sais pas quels modes d'organisation politique sont envisageables pour faire de l'éducation populaire à grande échelle, pour redonner de l'intelligence et de la vie, je ne sais pas ce qu'on peut faire. Je suis un politicien perdu. Oui, je suis en lutte en ce moment parce que je pense que ce qui se passe est assez grave pour nous. Je pense que on fait partie de ces gens-là qui, parce que je parle des petites compagnies, des compagnies régionales, on fait partie de ces gens-là qui ont du mal déjà à en vivre correctement. Donc là, avec les nouvelles dispositions, c'est, je crois, terminé pour la plupart si rien ne change. Donc, la lutte, voilà. Il n'y a plus que ça à faire, de toute façon, on n'a plus rien à perdre. On est passé de l'art à la culture, ce qui est pour moi déjà... Donc, non, c'est très grave, ouais. La situation est assez grave. Parce que c'est nivellement par le bas, et encore plus par le bas, et voilà. Alors tout le monde sait, évidemment, tous les gens concernés, spectacle vivant, cinéma, chanteur, musicien, danseur, que c'est largement plus de 507 heures, quoi. Avec pas mal d'abus, des heures qui outrepassent bien les 507, justement, qui sont pas payées. Des heures sup à gogo, tout ça c'est pas payé, on n'en parle pas quoi. À la fois j'approuve les propos du ministre de la Culture à Yagon quand il dit que la question des intermittents serait moins grave si les employeurs du service public, c'est-à-dire les chaînes de télévision, l'INA en l'occurrence aussi, n'avaient pas recours à l'intermittence pour des travaux qui en fait ne relèvent pas de l'intermittence. Ce que j'observe au sein de mon entreprise, c'est que tous les techniciens qui sont des permanents qui partent, les postes ne sont jamais remplacés et qu'on va vers une diminution de l'emploi statutaire et donc le recours à l'intermittence avec des budgets qui par ailleurs en enveloppe de cash sont des budgets qui diminuent donc vers des rémunérations qui sont évidemment amoindries pour les intermittents ou les réalisateurs qui travaillent dans ces conditions. Parce que des productions mettent la clé sous la porte du jour au lendemain, ne payent pas leur charge sociale, patronale, donc ça accroît le trou et c'est répété et répété depuis des années et des années. Je sais pas, des villes, des municipalités qui mettent des années aussi à payer leur charge patronale après des grosses manifestations, ça on n'en parle pas. C'est tabou, quoi. Finalement, on génère pas mal de fric avec nos festivals et que ça emmerde bien des gens de plus se retrouver avec les touristes, etc., etc. Donc, cette espèce de communauté culturelle qui est toujours à la botte des subventions, finalement, génère un capital. Des gens qui font des choses un peu différentes, qui arrivent à innover aussi, parce que c'est ça, une certaine forme d'indépendance, une petite troupe, quelque chose d'un peu léger, un peu... dynamique comme ça, qui n'est pas une grosse troupe bien inerte, enfin bon, bien cadrée avec on joue des classiques, etc. etc. Ça va forcément disparaître, donc ça va être très très dur.
c'est impossible d'imaginer que ça va continuer. Donc, est-ce que les gens ils se rendent bien compte? Est-ce qu'ils se rendront compte? Parce que la télé fabrique de l'oubli, ça, on en est bien certain, quoi. Elle va continuer, la télé, avec toujours les mêmes abus, les intermittents. On sait très bien qu'ils disparaîtront pas. Ceux qui bossent pour les télés et que pour les télés, qui ont un seul employeur, eux, ils continueront à bosser. La télé, elle va continuer. Alors, il arrive un moment où se fait l'ajustement entre les financements souvent insuffisants qui ont été recueillis par rapport au coût du film. Donc, il peut arriver qu'on baisse le coût du film. Et comment baisser le coût du film? En réduisant une durée de tournage, en baissant des cachets. Donc, moi, c'est ce que j'ai dit hier à un débat, c'est que il y a des films qui se font de façon extrêmement volontariste. Il ne faut pas considérer pour autant que ce sont des films militants. C'est des films qui se font dans des conditions professionnelles, mais qui sont des conditions dégradées. Je crois que le danger, c'est que demain, un certain nombre de réalisateurs ou de gens qui veulent faire des films, on continue à les autoriser, bien sûr, puisque c'est libre, à faire des films, mais ils le feront comme au 19e siècle, la broderie ou la tapisserie était une activité artistique libre, mais qui, en tout cas, n'a pas amené une rémunération de ce travail, n'a pas dégagé de droits sociaux, de droits à la retraite. Alors oui, avec ces petites caméras, n'importe qui peut faire un film, ça coûte beaucoup moins d'argent, mais le danger, c'est que ce ne soit plus considéré comme un travail ouvrant droit à rémunération et duquel on peut vivre. Un questionnement sur la façon dont on vit réapparaît. C'est pas seulement, et c'est sans doute aussi derrière le conflit des intermittents, c'est-à-dire que c'est pas seulement le nombre d'heures, les annuités, c'est pas seulement un problème technique de salaire, certes, mais c'est pas seulement ça, c'est aussi une façon de vivre, une façon de pouvoir aussi choisir le travail qu'on fait, et c'est ça qui est à la fois directement menacé, mais qui mobilise le plus. Donc il y a comme ça une sorte de désir un peu difficile à préciser, mais d'un autre monde sans doute. Alors, entre le catastrophisme et puis l'utopie, je ne sais pas ce qui peut se passer, hein, mais c'est sûr que là, il y a quelque chose d'assez nouveau, il me semble. Après les 21 jours de grève de France 3 en décembre, après les 2 mois et demi de grève chez les profs cet été, ce printemps, il faut vraiment qu'on réfléchisse à la grève comme un moyen, mais qui ne s'arrête pas juste à la grève, quoi. Il faut que la grève ce soit une plateforme qui permet aux gens de se dégager du temps, mais pour faire d'autres choses, parce qu'aujourd'hui on se retrouve dans une situation où les patrons sont capables de tenir le bras de fer très longtemps et de nous faire plier par le beefsteak, quoi. Il faut trouver d'autres formes pour se battre, mais que des techniciens et surtout des intermittents le fassent, je le comprends très bien. Enfin, je pense qu'un des problèmes qui se pose dans ce secteur, c'est que effectivement, sur un certain nombre de films, tout le monde est complice pour que ces films, ces œuvres se fassent. On a l'impression qu'il n'y a pas de clivage, qu'il n'y a pas de barrière, et une grève met ça à nu, hein. Tout d'un coup il y a une barricade et le propre des barricades c'est qu'elles n'ont que deux côtés. Je suis aussi convaincu qu'on va gagner. Bien sûr, j'en suis même certain. Mais ce qui a changé entre 1995 et aujourd'hui, c'est précisément que la possibilité d'une autre politique est apparue clairement, vous l'avez dit. Hein, bon. Et c'est précisément parce que cette possibilité est apparue qu'ont changé aussi les modes de répression du mouvement social et que nous avons affaire à une offensive aujourd'hui incroyable, comme il n'y en a jamais eu en France. C'est la première fois que ça se produit. Une offensive qui touche tous les secteurs, les intermittents n'étant que l'un d'entre eux. Mais on peut parler des architectes, des enseignants qui étaient en grève, du service public en général, de la télévision, hein, où l'offensive est menée farouchement, fortement. Cette offensive marchande est générale. Voilà. Et c'est à ça qu'on assiste aujourd'hui, qui n'était pas le cas en 1995. Les cartes étaient moins claires, moins sur la table, moins ouvertes, plus brouillées. Donc il y a à la fois une clarification du jeu, mais en même temps un élargissement du jeu. Et c'est ça qui me... Et je pense que l'urgence aujourd'hui, c'est quand même de réunir et d'articuler ces différents secteurs en lutte,
hein, qui sont quand même un peu chacun pour soi, chacun chez soi, et qu'il faut essayer de comprendre que c'est une société qui est en cause. C'est un système social, c'est nous tous ensemble qui sommes en cause, et que c'est à ce niveau-là aussi qu'il faut porter la lutte. La question de la violence dans les luttes sociales est réellement posée. Et si elle est posée, c'est parce que, en effet, l'adversaire a changé de stratégie et que lui-même a mis en place, alors je dis moi, le capital se libère et le reste est soumis à un régime de plus en plus autoritaire. Voilà. Liberté pour le capital, prison pour les autres. Je crois qu'on est dans un système de violence absolue. Enfin, je veux dire, on est presque dans un système inédit de violence du gouvernement et de son alliance avec le patronat. Enfin, moi, j'ai jamais connu ça, en tout cas. Je ne sais pas s'il y en a qui ont connu ça, peut-être dans d'autres pays, mais en France, en tout cas, moi, j'ai jamais connu ça, dans mon expérience personnelle, d'avoir effectivement une telle alliance objective entre le patronat et le gouvernement, et une telle volonté de détruire des acquis, de détruire des situations professionnelles, de détruire des situations d'agriculture et des choses comme ça. Quand on lutte, on ne se saborde pas, quoi. Je veux dire, c'est peut-être le moment où on commence à arrêter de se saborder, c'est quand on lutte collectivement. Et c'est ce qu'on a pu vérifier là dans les mois qui viennent de passer. Même si on ne gagne pas, en tout cas, on ne perd pas à se battre, quoi. Ça, c'est vraiment une chose importante et je crois qu'il ne faut pas l'oublier. Ce qui est en cause, c'est la possibilité d'avoir des travailleurs indépendants, libres, relativement libres de leur choix. C'est ça qui est en cause. C'est la liberté qui est en cause. Ce que le gouvernement... Ce que le gouvernement et le MEDEF veulent détruire, c'est la possibilité pour des travailleurs intermittents d'avoir ne serait-ce qu'un brin de liberté dans le choix de ce qu'ils vont faire dans le mois ou dans l'année qui vient. Voilà. C'est ça qui est en cause. Et c'est pour ça que cette attaque ne vise pas seulement les intermittents du spectacle, mais elle vise chacun d'entre nous. Parce que c'est une attaque contre les libertés de choisir. Ce qui est désiré aujourd'hui, ce qui est mis en œuvre aujourd'hui partout, ce sont des travailleurs assujettis. Qui peut-être seront de plus en plus intermittents, de plus en plus précaires, mais qui auront de moins en moins le choix de leur travail, parce qu'on les obligera à travailler davantage pour des patrons de plus en plus puissants. C'est ça qui se joue aujourd'hui. Je suis dans la rue, mais vraiment pour le mépris de ce gouvernement envers les travailleurs, qu'ils soient associatifs, qu'ils soient des travailleurs d'État, qu'ils soient des travailleurs intermittents du spectacle. C'est ce mépris dans lequel on nous a placés tous en France. Jusqu'à 100 ans, 37 ans et demi, public privé. C'est la technique Thatcher, quoi, comme elle a fait avec les mineurs dans les années 80. Ça veut dire que les mecs, ils ont fait 8 mois, 10 mois, 1 an, et aujourd'hui, ils font la manche parce qu'elle n'a pas lâché. Les associations qu'on représente ici, ont de grosses difficultés pour maintenir les services qu'elles rendent aux personnes en grande difficulté parce que les crédits sont gelés, parce que les crédits sont supprimés, parce qu'elles ne savent pas du tout où elles vont. Donc elles sont en train de licencier, elles sont en train de mettre les gens dehors. Moi j'ai vu des choses à Marseille que je n'avais jamais vues de ma vie. Des femmes qui lavent leurs bébés dans le caniveau, des familles entières qui dorment à la gare. Et pour nous c'est insoutenable puisqu'on ne sait pas du tout vers où on va. On ne nous dit même pas, on ne veut plus de ça et on coupe les crédits. On nous dit, ah c'est gelé, peut-être on dégèlera, peut-être on ne dégèlera pas, ça dépendra de la situation économique de la France. Donc ça, pour nous, c'est inacceptable. Alors, on a une loi de lutte contre les exclusions, par exemple, qui est vachement bien faite au sens des associations. Mais sur tous les chapitres, il manque les sous pour faire ce qu'on dit qu'on va faire. Donc, ça sert à rien. Il faut que chacun des corps, autant qu'on est, on soit suffisamment conscient de ce qui arrive pour qu'on arrive à trouver ce lien en commun. Mais là où l'État, là où les pouvoirs politiques sont forts, c'est qu'ils savent très bien dissocier tout ça. Mais pour se reconstruire, il faut se construire dans le temps. On n'invente pas une mobilisation générale du jour au lendemain. Je suis le responsable de l'association Phoenix. On fait de la lutte contre l'illettrisme et de l'accompagnement social. Et on a réduit nos budgets et on a des postes de salariés en moins. Alors on fonctionne avec une compensation bénévole, une implication de la part des salariés et des personnes pour lesquelles on travaille. Alors, nous sommes ici les 15 formateurs du Greta des Baumettes, donc nous travaillons à l'intérieur de la prison des Baumettes. Et le gel des crédits nous met d'une part au chômage, mais surtout prive 200 détenus ponctuellement et 850 par an de leur formation.
Il s'agit de formation à la maçonnerie, à l'électricité, mais aussi de la culture, hein, de la philosophie, de l'informatique, des langues, etc. Les choix qui ont été faits sont des choix budgétaires qui, via le ministère de l'Emploi. En fait, c'est des budgets de formation professionnelle que nous n'avons pas. Il ne s'agit pas de mettre en cause l'administration pénitentiaire qui, dans cette situation, est la victime, comme nous et comme les détenus, de ces gels budgétaires. Puisque ça risque de mettre, dit-on, le feu aux prisons. Et surtout, il nous semble que ce gouvernement qui prône à ce point la sécurité a fait un drôle de choix. Parce qu'on sait quand même bien que la plupart des actes de délinquance sont le fait de récidivistes. Ce qu'il faudrait aujourd'hui, c'est vraiment que tous... On constate que tous, on a le même problème et qu'on ne mène pas des luttes indépendantes parce que tout est lié.